On cuisine ensemble? Je vous apprends à faire des petites madeleines? Bonjour, bonjour! Cuisiner des madeleines avec moi aujourd'hui. Salut, my name is Rochelle DeMayo, your native French instructor from Belterre Academy. One of the best things that you can do to not learn French just through classes is to do an activity in French. So today, you're gonna cook French with me. We're gonna make madeleine. It's not madeleine, like I've been heard. I've heard even a restaurant would buy the name madeleine. Donc, premièrement, les ingrédients dont vous aurez besoin. Alors, vous allez avoir besoin de deux œufs, un verre ou l'équivalent de 150 g de sucre, et puis un verre et demi ou l'équivalent de 150 g de farine. Je vous propose de faire cette recette sans gluten pour ceux qui sont intolérants. Alors je vous partage moi comment je fais ma recette de madeleine sans gluten. Et puis vous allez avoir besoin de 125 g de beurre. That's kind of the equivalent of a stick of butter. Voilà. Et puis un paquet de levure chimique et un peu de lait. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un petit peu de citron. Allez, on commence la préparation. N'oubliez pas que vous allez avoir besoin de moules à madeleine. Of course, guys, I'm linking where you can get some of these products, including these pans, in the description. Alors moi, j'aime bien utiliser un robot pour m'aider un peu dans la cuisine, mais forcément, vous pouvez utiliser un bol, un fouet, ça fait l'affaire. Donc, j'ai préchauffé mon four à 210 degrés Celsius. En Fahrenheit, I preheat my oven to 410 Fahrenheit degrees. Voilà. On va commencer en faisant fondre le beurre. Donc, j'ai fait fondre le beurre. Je vais rajouter les œufs. Et tac. Je mélange. Maintenant, je vais rajouter le sucre. Donc, on avait dit 150 g, ce qui fait un verre. Et maintenant, la farine. Je vous ai mentionné que vous pouvez faire cette recette, donc, sans gluten, avec la farine sans gluten. Donc je vous propose du coup de la farine de riz brun. Je vais en mettre une tasse, donc l'équivalent à peu près de 100 grammes. Et puis ça c'est de la farine d'avoine. À faire attention que bon, avec la farine d'avoine, il y a la farine d'avoine qui a du gluten. Ça c'est une farine d'avoine qui n'a pas de gluten. Encore une fois, je vous mets tous les ingrédients dont j'ai pu me servir que vous pouvez acheter sur Amazon. Je les mets dans la description de la vidéo. Et donc pour la farine d'avoine, je vais utiliser la moitié d'une tasse environ, donc 50 grammes. Et pareil, je vais mélanger le tout. Guys, really quick break in English because this is kind of a secret. All Frenchies know of this little ingredient that we use, but I have never found quite the equivalent in the US. Le petit paquet rose que vous connaissez bien. This little pink packet is levure chimique. And I've been told like, oh, you could substitute it for baking soda, baking powder, half-half. I've never seen a better recipe than when I use this. And my husband agrees. Donc, un paquet de levure chimique. If you really can't get it, again, I'm linking it below so you can have it delivered at home. You could just do like half a teaspoon of baking soda and half a teaspoon of baking powder. Voilà. Pourquoi est-ce que je dis un peu? Ça va vraiment dépendre de la texture de vos madeleines. Forcément, ça dépend également de la farine dont vous vous servez. Donc, c'est parfait, la texture est parfaite. Du coup, il faut beurrer les moules à madeleine. On peut utiliser aussi un spray, on utilise beaucoup aux États-Unis, au lieu de les beurrer. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un petit peu de citron pour parfumer un petit peu les madeleines. À vous de voir, c'est option libre. Donc voilà, on a bien mélangé. On a mis la petite pointe de lait. Moi, j'utilise du lait végétal. Donc du lait, en fait, il y a pas mal de lait qui existe. Et moi, j'utilise du lait à base de petits pois, mais on peut également utiliser tout type de lait. Hein. Mais c'est vrai que le lait végétal, je favorise. On peut utiliser sinon du lait d'amande, du lait d'avoine, du lait de noix de cajou, du lait de soja. Toutes sortes d'options qu'il existe de nos jours. Et puis n'oubliez pas que les madeleines vont gonfler. Hein. Et maintenant, 10 minutes au four. Voilà, une cuisson de 10 minutes. Mm-hmm. Favorite butter ever is called Mikoyos. It reminds me of the butter that I grew up in France. Love it. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez les autres vidéos que j'ai pu faire
niveau recettes de cuisine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt tout le monde.